mascotte a été lancé lundi. Donc les élèves ont eu 3 jours pour réaliser le travail que vous voyez ici. L'idée était de les faire travailler dès le lundi matin sur une série de planches avec un univers qu'ils ont choisi eux-mêmes. Donc ils doivent essayer de nous convaincre avec leur propre univers, hein. Réaliser toute une série de planches, d'installations scénographiques pour mettre en évidence le travail réalisé donc sur un lapin. Qui correspond en fait à de l'Artoy, c'est-à-dire qu'en fait c'est un lapin en ABS, donc un plastique sur lequel on peut intervenir en le customisant de différentes manières, intervenant ou sur un travail qui est pictural à l'aide de la peinture, ou tout simplement en utilisant d'autres médiums passant par le collage, le perçage, enfin plein de possibilités, c'est ce que vous allez voir durant cette exposition où il y a 175 mascottes réalisées exactement en à peine 3 jours, puisque les élèves ont commencé lundi 9h, allant jusqu'à 16h ici à l'école. Donc c'est quand même un beau timing pour un très très beau résultat. Je suis très satisfaite, je pense que toute l'équipe pédagogique est vraiment très satisfaite de ce travail. C'était pas facile parce que quand on a reçu les mascottes, on était un petit peu surpris de la taille. Elles ne font quand même que 12 cm, donc il faut vraiment travailler avec des outils qui permettent vraiment d'avoir un vrai travail de finesse. Ils ont joué le jeu vraiment pendant 3 jours, ils ont même travaillé plus puisque le soir ils ont eu la possibilité de continuer à travailler. Et franchement, enfin, on est vraiment ravis du résultat et je pense qu'on renouvellera l'opération l'année prochaine. Les 20 premiers vont être exposés dans différents magasins de la région d'Aix-en-Provence. Bien évidemment, les 175 seront représentés aux journées portes ouvertes vendredi 22 et samedi 23 mars. On met à l'honneur en fait tout le monde parce que c'est un vrai travail qui mérite que tout le monde soit mis à l'honneur. Ils gagnent le respect de l'équipe pédagogique, puisqu'en plus nous on a joué le jeu aussi. On a réalisé chacun des mascottes qui sont à l'entrée de l'école, puisque l'idée c'était aussi de montrer à nos étudiants qu'on est capable d'être dans le même délire qu'eux et de travailler en un temps limité sur un projet identique.